Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous fasse la présentation d'un album photo que j'ai fait pour la fête des pères. Donc, alors moi, je l'ai réalisé avec un bloc carterie, du papier craft et du tamponnage. Du coup, je l'avais fait pour vous faire une petite fête des pères qui perce. Sauf que le problème, c'est que je l'ai fait avec ce bloc-là, carterie, qui est juste magnifique. Voilà. Et le problème, c'est que ben, Keepers l'ont arrêté. Donc, je n'en ai que deux disponibles. Voilà, j'en suis désolée. Mais du coup, moi, je l'avais pris celui-là pour faire la fête des pères, justement. Et encore, comme quand j'aime, en général, j'ai deux, trois exemplaires. C'est pour ça que j'en ai deux disponibles. Voilà. Sachez que vous pouvez reproduire le même, mais en 5 blocs carterie à faire qu'avec du craft et les tamponnages, tout simplement. Donc, il y aura deux kits ben, avec le bloc carterie, du coup, puisque je ne peux pas en fournir plus. Après, dans le kit, il y aura le papier craft. Voilà. Donc, moi, il me reste que ces deux feuilles. Là, et il y aura les tampons. Alors, les tampons, bon, je suis désolée, je ne les ai pas encore rangés. Il y aura celui-là. Voilà, c'est mes chouchous. Il y aura celui-là. Et après, il y aura celui-là. C'est, vous savez, avec des voitures. Je suis désolée, je ne sais pas où j'ai mis le plastique. Voilà. Et le train. Donc, c'est du vintage. Voilà. Donc, il y aura ces trois tampons. Voilà. Après, bien entendu, on peut vous faire un kit mais avec les tampons, le papier craft et l'encre et tout, mais sans ben, le bloc. Voilà. Ce qui donne super bien aussi. Moi, j'aime beaucoup travailler les albums qu'avec des tamponnages. Celles qui me suivent le savent. J'aime beaucoup ça. Voilà. Il y aura aussi. Mais là, je n'en ai plus. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, si. Une poudre embossée Vintage Red. Voilà. On a plein de couleurs. On a la blue, la red, la green, la grise. Bon, bref, il y en a plusieurs. Moi, j'ai choisi la red parce que je trouvais que c'est celle qui allait le mieux avec le style que je lui donnais. Donc, voilà. Hop. Que si je ne l'ouvre pas dans le bon sens. Donc, voilà l'album photo que j'ai fait. Donc, vous voyez les tamponnages. J'ai vraiment beaucoup travaillé avec les tamponnages parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour l'encre, c'est la Memento. Alors là, j'ai que la marron sous la main, l'autre elle est en bas parce que je l'ai reçue et je ne l'ai pas remontée. C'est celle-là, mais en noir, voilà, qui aura dans le kit. Donc, ça c'est un grand pad par contre. Voilà, si vraiment vous ne voulez pas investir dans le grand pad, il n'y a pas de souci, on l'enlèvera. Ou on peut vous le remplacer par une petite Memento noire. Mais sachez que ça ne fera pas le même effet que celle-là parce que ça c'est l'équivalent de la Archival. Voilà. Donc, ça. Moi, je me suis servi, puisque je l'ai embossé, de la Versamark. Voilà, pareil, on a une encre à peu près l'équivalent. Je ne sais plus si on a la Versamark, je ne suis pas sûre. Mais on a des encres aussi pour l'embossage. Je ne la mets pas dans le kit, puisque moi, je me dis que vous devez en avoir. Si bien sûr vous n'en avez pas, on voit ensemble, il n'y a pas de souci, on peut la rajouter. C'est comme d'habitude, c'est vous qui voyez. Ouais. Donc, je suis partie un peu sur le même style que la boîte que j'avais fait à souffler. D'ailleurs, comme il me reste, vous voyez, les couvertures à découper et tout, il me reste un petit peu d'embellissement. Du coup, je pense que je vais faire la même, mais assortie à l'album photo pour reprendre le tuto qui, je sais, n'est pas terrible du tout. Et pour montrer aux débutantes que c'est pas si difficile que ça, puisque je sais très bien que vu que je l'ai fait au pif, je me doute qu'en tuto, les filles débutantes doivent se dire, oh là 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 là, c'est trop dur, c'est. Mais en fait, non. C'est pour ça que je pense vous le refaire en tuto, pas à pas,
mais avec le reste de ces papiers-là. Voilà, donc pour celles qui se souvenaient, qui se souviennent, c'est le deuxième projet que j'ai fait avec le kit Fête des Mères. Mais comme je sais pertinemment que le tuto n'est pas terrible, du coup, je préfère vous le refaire vraiment pour que vous sachiez, là, surtout pour les débutantes, qu'elles sachent bien que c'est facile, contrairement à ce que, à l'apparence que ça peut donner dans le tuto. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, s'il sera passé, puisque j'ai des vidéos programmées jusqu'au 29 avril minimum. Du coup, voilà, je ne sais pas du tout si vous l'aurez vu ou pas quand vous verrez celle-là. Mais moi, je le sais que c'est compliqué à suivre, alors je préfère le refaire. Donc voilà, je suis partie sur le même principe. Sauf que là, c'est un album photo, tout simplement. Pour les dimensions, il fait 17 sur 17, tout simplement. Ça, et je l'ai travaillé surtout avec des papiers, des tamponnages, vous voyez. Voilà. Donc là, j'ai tamponné, j'ai ancré. Là, c'est un... J'ai détourné en fait une carte, voilà, pour faire une fermeture. Donc, voilà, tout simplement. Là, là, je vous montre le haut. Peut-être à l'endroit, c'est mieux. Donc là, pareil, un travail de tamponnage. Et après, je suis venue mettre des embellissements, des die-cuts qu'il y a beaucoup en bas des pages de chaque... de chaque page en fait, voilà, vous avez de quoi faire la carte qui est un exemple ou une autre carte, et à chaque fois en bas des pages vous avez des die cuts en plus. Moi je m'en sers toujours, voilà. Du coup ben là c'est tamponnage et die cut pour le derrière, pareil, tamponnage et des die cuts qu'il y avait en bas ou que je ne me suis pas servi dans la carterie, voilà. Je vous montre que le bas aussi, bien sûr, est tamponné. Là, par contre, j'ai rien collé. C'est que des tamponnages. Donc, vous voyez très bien que déjà, les tamponnages, ça suffit. Enfin, franchement, c'est une tuerie, c'est encore. Bref. Donc, voilà. Donc, en haut, ça se présente comme ceci. Alors là, moi, j'ai rien mis. Mais bien entendu, on peut mettre ben, des die cuts. On peut décorer. On pourrait remettre du craft si on voulait. Enfin, on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai laissé simple pour le moment. Ici, sur le rabat, je me suis amusée à venir coller des embellissements. Je suis venue renforcer les aimants à ce niveau-là, puisque j'avais un problème d'équilibre sur l'album photo. Voilà, puisque je me suis trompée d'ailleurs dans le tuto. Je le fais plus grand, la tranche là qu'en bas. Non, 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 faites-le de la même taille. Voilà, je me suis trompée, je vous le dis. C'est pour ça, je ne sais même pas si je vous mettrai le tuto de l'album photo. Parce que franchement, voilà, je peux vous induire en erreur. Vu que j'ai déjà téléchargé sur YouTube et tout, et que ben, je ne l'ai plus sur mon portable, je ne peux pas vous le rectifier sur la vidéo. Je ne sais pas le faire. Du coup, je ne sais vraiment pas si je vais vous le mettre. À voir, je ne sais pas. Donc voilà, ici, pareil, je suis venue travailler. Alors là, les images se suivent. Donc voilà, j'ai fait, j'ai coupé mon bout de papier déco de la taille qu'il me fallait pour les deux. Je suis venue travailler avec les tamponnages et tout. Et après, je n'ai fait que le couper en deux, ce qui fait que ça se suit. Voilà. Voilà, après, j'ai caché la tête du monsieur, mais bon, ça, c'est pas grave. Donc voilà. Pour le devant, pareil, je suis venue travailler. Je vais peut-être vous le poser, ce sera peut-être plus facile pour vous. Je suis venue travailler, pareil. Alors, ça, c'est un exemple de carte. Voilà, tout simplement, que j'ai collé. Ça, c'est des die-cuts qui est par-ci, par-là. Là, on est, je suis venue retamponner et mettre la voiture en 3D. Tout simplement. Voilà, parce qu'elle me plaisait. Et c'était aussi pour essayer de récupérer la différence que je m'étais trompée dans les dimensions, pour récupérer un peu l'équilibre de l'album photo. Tout simplement. Voilà. Ici, donc là, sur la couverture arrière, je suis venue, ça c'est une carte, voilà, et tout simplement, je suis venue la faire en pochette. Je suis carrément venue travailler la carte sur la couverture, après bien sûr avoir tamponné mon papier craft, voilà. C'est, oups.
Ils sont vraiment magnifiques, ces tamponnages. Voilà, tout simplement. Là, j'ai mis des tags simples, tamponnés, pas tamponnés. Voilà. Bien entendu, après, on peut en rajouter plus. Moi, j'en ai juste mis par-ci, par-là. Ensuite, là, sur cette page-là, donc, ben là, c'est la carterie. Voilà, là, tamponnage. Vous voyez, on peut très bien faire un album qu'avec des tamponnages. Hein. Là, c'est embossé. Alors là, le problème juste qui se pose, c'est que, vous le remarquerez, c'est qu'avec les aimants, là où il y a de l'embossage, surtout quand j'ai embossé au milieu, ça fait des bosses en fait. Voilà, tout simplement, faites attention peut-être. Voilà. Donc là, tamponnage. Ils sont trop beaux ces tampons. Regardez-moi ce train là et tout. Enfin, je me suis régalée à faire cet album photo. Franchement, ici, pareil. Donc du coup, en fait, on a travaillé, là c'est à l'endroit qu'on travaille, mais du coup là c'est à l'envers. En fait, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Faites attention de ne pas vous tromper, c'est pas évident de... ça fait bizarre. Je vous le dis parce que moi ça m'a fait bizarre. Ici, donc pareil, j'ai travaillé une carterie. En fait, les cartes, moi, m'ont servi juste à faire un rabat pour maintenir. Voilà, tout simplement. Ici... nous avons un rabat en haut qui s'ouvre comme ceci. Là, un rabat avec bien sûr les tamponnages. Et ici, donc, je ne sais pas si vous allez le voir là par là. C'est un peu gondolé. C'est comme voilà. Parce qu'en fait, l'embossage est dur et que du coup, on peut. Plus on va frotter dessus, plus on va l'abîmer l'embossage. Du coup, on ne peut pas trop. Appuyer, donc voilà, c'est pour ça que ça gondole un peu là, mais après il y a la photo dessus, donc franchement ça se verra même pas, mais bon voilà. Voilà, bien entendu, moi c'est un exemple, après vous le faites comme vous le sentez. Ici pareil, une autre page, donc là, vous voyez, tamponné, vous voyez que vraiment l'intérieur n'est fait qu'avec des tamponnages. Donc après, et de l'embossage. Vous voyez là, vous le voyez là. Ça se... voilà. Donc faites-y attention. Vous. Pardon, je ne l'ai pas vu sur le moment, je l'ai vu après en faisant la déco. Donc, là, c'est les exemples de cartes que j'ai matées. Et là, j'ai juste mis un tag noir pour montrer qu'on peut mettre des photos. Là. Ici pareil, vous voyez, j'ai vraiment repris le même principe. D'ailleurs, dans le tuto, on fait la première page ensemble, après je fais hors caméra, puisqu'en fait c'est exactement le même principe. Tous les rabats, c'est pareil. Le seul truc qui change, c'est que vous vous adaptez à la taille de la carterie de base, mais après c'est exactement les mêmes. Donc, voilà, tout simplement. Regardez-moi ces tamponnages, ils sont trop beaux. Franchement, moi je les adore. Donc, il y a des endroits, j'ai fait des pochettes, il y en a, j'en ai pas fait. Après, ça c'est vraiment comme vous le sentez. Je vous la montre à l'endroit, ce sera mieux. Donc voilà, là, celui-là, je l'ai maté tout simplement. Hop. Ici. Carterie. Là. Alors ça en fait c'est normalement c'était pour faire une carte, mais moi je me suis servi des décos pour faire ben, ça par exemple, puisque c'était voilà, et du coup moi je l'ai mis en tag, je l'ai trouvé trop marrant, j'aime beaucoup sa tête, alors du coup voilà, je l'ai mis là. Ici pareil. Là. Simplement.
Là, c'est embossé. De toute façon, quand c'est pas tamponné en noir, c'est que c'est embossé. Et je sais pas du coup si vous voyez la différence, parce que du coup, il y a deux couleurs. Il y a le rouge et il y a le vintage, le or. C'est trop joli. J'aime beaucoup ces poudres. Mais bon, ça, vous le savez. Ensuite, ici, pareil. Alors, hop. Je suis désolée, c'est pas évident de vous montrer. Là, pareil, entre chaque, je suis venue coller du papier craft que j'ai tamponné. Donc, le dessin se suit, forcément. Et pour la dernière page, donc voilà ce que ça donne. Là, je vois que ça a bougé. Il va falloir que je le recolle. Donc voilà, tout simplement, carterie, tamponnage. Vous voyez, là, on voit les aimants, là, ça me... Mais bon. Du coup, je ne sais pas si je vais le vendre. Normalement, il était avant. Donc voilà. Pareil, là, pour la dernière page. Hop. Hop. J'aime vraiment beaucoup ces tampons. Et là, sur la couverture arrière, ben, j'ai fait pareil que devant, une carterie. J'aime beaucoup ces carteries comme ça et j'adore les faire en pochette. Donc voilà. Et bien sûr, là, on a un tour de cadre. On peut en mettre plus. Donc voilà la présentation de l'album spécial Pepper. Voilà. Et vous voyez, là, du coup, j'ai réussi quand même à récupérer. Ils tiennent tout seul. Voilà, j'ai eu un gros problème d'équilibre, il tombait toujours en arrière. Là, ça va, il tient. Voilà. Là, hop. Voyez. Alors que ça, je vous le dis franchement, hein, au début, il ne tenait pas droit. Et je me suis dit, ça y est, je ne vais pas pouvoir le faire. Je me suis trompée quelque part. Voilà. Mais finalement, j'ai réussi à récupérer l'épaisseur, la différence, quoi. Donc voilà, bah, écoutez, moi, franchement, ces papiers, j'adore, ces tamponnages, j'adore ce style. Le noir, le beige, marron, comme ça, vintage, mélangé, franchement, moi, j'adore ces couleurs. Mais ça, ceux qui me suivent le savent. Bien entendu, donc j'ai deux kits, pas deux blocs carterie. Les autres malheureusement, ben, à moins que vous ayez un peu le même style de carterie, voilà. Mais j'en suis désolée, je ne peux pas en vendre plus de deux. Ça. Mais on peut très bien vraiment faire regarder ce que ça donne juste avec les tamponnages, quoi, franchement. C'est une tuerie rien qu'avec les tamponnages. Regardez, c'est bon. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter ben, par mail à l'atelier de joie 31, puisque si vous êtes intéressé, hein, qu'on en parle ensemble. Donc voilà, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, cet album vous plaît. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.